Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer Resident Evil Code Veronica X. Le problème c'est qu'on va faire Wesker, voilà, donc déjà c'est long, hein, au moins une vingtaine de minutes pour finir une partie. Et c'est très 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 compliqué, malgré qu'on a suffisamment de vie, c'est très compliqué. La plupart du temps il n'y a que des bugs, du genre. On va pour viser un zombie, puis là, enfin, on va pour cuter un zombie, seulement ça vise la bombe, là, enfin, un tonneau, je sais pas quoi, là, et ça le vise automatiquement. Enfin, je suis désolé, mais bon, entre un zombie et un vieux tonneau explosif, tu choisis le zombie, quoi. Enfin, bon, c'est que de la merde, ce jeu est grave buggé. Je crois que j'ai jamais vu un jeu aussi pourri. Donc, enfin, si, voilà, les jeux indépendants, mais ça, c'est autre chose. Là, c'est vraiment un jeu de développeur, c'est quand même pas une licence de merde. Et faire un jeu aussi bâclé, franchement, je trouve ça hallucinant et complètement horrible. Enfin bon, c'est pas grave, on va faire avec. On va sûrement y arriver. Donc je sais pas comment. Ça va me saouler, je sens. Mais bon, je vais essayer. Hein, je vais essayer, voilà. Parce que de toute façon, je suis obligé de le faire. Déjà parce que je lance requête, enfin le truc là, le truquillon, je sais pas quoi. Et puis parce que, voilà, je dois le faire, c'est tout, c'est comme ça. Et puis donc du coup, on va faire ça. Donc en soi, c'est plutôt simple. Parce qu'on a la vie qu'il faut. Mais franchement, c'est long et compliqué au niveau des bugs. Ouais, franchement. Bon, c'est parti, on va se faire ça tout de suite. Hein, je vous laisse pas. Enfin, je vous fais pas plus attendre. Donc on va se faire ça. J'espère que je vais y arriver. Et puis bon, Et bah allez. Allez, allez. C'est chaud, c'est chaud. Allez, tout de suite, les gars. Donc ouais, j'ai juste une chose à vous dire, c'est que c'est très, très compliqué. Hein, franchement, alors au niveau du temps, comme vous avez vu hein, dans mon gameplay, hein, j'ai mis le temps qu'il faut quoi. Franchement, j'ai pris le temps, je me suis pas pris la tête. Voilà quoi. Franchement, je faisais très attention, mais j'ai eu beaucoup de chance et c'est vraiment ça qui m'a aidé. Mais sinon, au niveau de la vie, vous inquiétez pas. Au niveau de la vie, ça va. Enfin, hein. Si vous perdez pas trop, ça va. Vous pouvez quand même beaucoup perdre, mais pas non plus énormément beaucoup quoi. Hein. Faut pas non plus exagérer, mais ça va, vous pouvez perdre quand même pas mal. Voilà, donc sont dans la description, je vous mets direct, je vous mettrai en ligne, en première ligne, je vous mettrai la vidéo d'un gars, donc le gars que j'ai vu, en anglais, donc c'est en anglais par contre, mais bon il parle pas vraiment. Et puis vous verrez son gameplay, il se fait toucher quand même pas mal de fois, donc vous verrez, on peut se faire toucher beaucoup de fois. Donc du coup au niveau du. Je pense que je vais mettre ça avant que le gameplay commence. Comme ça, au moins, je pourrais vous dire un peu à l'avance. Voilà. Donc, du coup, au niveau de l'arme que j'ai récupérée, le Magnum. Enfin, donc, ouais, dans le gameplay, je récupère un Magnum. Et en fait, au niveau de cette arme, et ben, en fait, la première fois que j'ai essayé de le récupérer, et ben, en fait, j'ai eu un livre à la place. Et la deuxième fois seulement, j'ai eu le Magnum. Donc, est-ce que on récupère le livre en premier et après on récupère le Magnum, ou alors on récupère le magnum aléatoirement. Donc des fois c'est le livre, des fois c'est le magnum, des fois c'est peut-être autre chose. Je sais pas du tout comment ça se passe. Mais en tout cas la première fois faites-le vraiment que pour voir si vous avez le magnum ou pas. Et puis après faites-le pour vraiment y arriver en temps imparti. Voilà, donc faites très attention à vous au niveau du couteau, tout ça. Et donc du coup en fait au niveau du couteau. Franchement, il faut que vous attendiez qu'il vienne vers vous. Donc vous attendez, voilà. Et puis, en fait, il vient vers vous. Et dès que les mains sont au niveau de votre tête, ouais, dès que ses mains sont au niveau de votre tête, ben, de toute façon, à force de jouer, vous, enfin, essayez vraiment de voir au niveau de quand c'est qu'il faut cutter. Toujours cutter vers le bas. Hein, vous mettez joystick vers le bas et vous cutter vers le bas. Très important pour les faire tomber. Sinon, c'est impossible. Et ouais, donc du coup, bah, vous cutez au moment où ils sont vers les mains des zombies, tu vois, quand ils sont vers l'avant, bah, il faut que ça soit vers votre tête. Donc vraiment assez près, quoi, juste avant qu'ils vous prennent, en fait. Donc c'est pour ça, c'est très précis. Il faut être vraiment précis. Donc du coup, vous les cutez comme ça, hop, au moment où. Sinon, ça les fait pas tomber, enfin, vous n'arrivez pas à les toucher. Donc c'est vraiment, il faut que ce soit bien près. Donc faites attention à ça. Donc du coup, bah, vu que ça, je vais y mettre avant le gameplay, bah, moi je vous dis bon gameplay. Voilà, que ça vous plaise. J'espère que ça va vous plaire tout ça. Et donc du coup, bah moi je vous dis ciao d'avance, hein, avant que le gameplay commence, je vous dis ciao. Et puis normalement ça devrait bien vous aider. Je vous donne 2-3 astuces dedans. Voilà. Et donc du coup, bah ciao et puis bah ciao. Allez, ciao tout le monde.
Enfin, j'ai réussi, mon gars. Je crois que j'allais jamais y arriver. Je croyais que j'allais jamais y arriver. Oh, truc de fou. Attends, ce que je vais essayer de faire. Non, trop compliqué. Oh ouais, c'est bien ça, de le prendre comme ça tout seul. Et ouais. Putain, de les prendre. Oh les gars. Oh. Vous avez vu l'astuce? Ah, obligé, je vous la mets. Faites comme moi. Ça va être... Sinon, on perd trop de vie. Sinon. Et là, on va perdre beaucoup moins de vie. Bon, je suis un peu nul, du coup, forcément, voilà quoi. Mais vous avez vu la technique un peu? On l'a pris tout seul et tout, l'autre aussi. Et franchement, technique de fou. Oh là là, et faites cette technique. Putain. Oh, je viens de trouver une technique. C'est pas magnifique ça? Mais attends, avec moi, on apprend plein de choses avec moi, c'est un truc de fou. Merde. Oh putain, je vais me faire choper, les gars. Non, pourquoi moi? J'ai rien demandé. Allez, allez. Oh, il m'a pas eu. Oh si, bon. Dommage. Vite la vie. Putain, je suis... Oh, j'utilise trop de vie, là. C'est pas possible, ça. Bon, on peut y arriver parce que l'autre, il avait pas pris le spray qu'il y avait ici. Et ouais, on découvre un spray. Non, avec moi, je vous dis, on découvre plein de trucs. Voilà, donc le spray, il avait pas pris celui-là. Il l'avait pas vu. Donc ça nous fait quand même un temps d'avance, hein, j'ai envie de dire. Ah oui, merde, j'avais oublié. Parce que eux, ils vous crachent dessus, en fait, ces bandes d'enculés. Et ça, il faut pas l'oublier, ça. Donc, tout ce qu'il faut, tout ce que vous avez à savoir, c'est prenez votre temps. Vous prenez votre temps parce que franchement vous avez le temps. Voilà, ce truc généralement on le termine en une vingtaine de minutes. Voilà, et il y a 30 minutes en tout. En tout on a 30 minutes pour le finir et c'est largement assez, je vous assure. Donc prenez votre temps, ne speedez pas. Voilà, vous avez le temps quoi. Franchement vous êtes pépère, vous pouvez marcher comme ça tout le long. Non, vous peut-être pas exagérer non plus, mais ouais, franchement vous avez le temps. Merde. Mais c'est juste au niveau de la vie qu'il faut gérer et ça c'est chiant. Voilà, voilà, regardez, je l'ai cuté, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. C'est vraiment mal foutu ce jeu. C'est un truc de fou. Que des conneries comme ça, que des bugs, que des... C'est vraiment de la merde ce jeu, c'est un truc de fou. Et comment vous pouvez aimer ce genre de jeu? C'est des jeux, putain, mais même une sodomie, c'est mieux, quoi. Eh ouais, non mais bon. Normalement, faut arrêter les conneries. Oh merde, mais je vais pas regarder ma vie, moi, tu sais. Moi, je vais dans l'inconnu, pas de soucis. Arrête tes conneries, arrête tes conneries. Voilà, je suis comment? Je suis en danger, bah voilà, c'est tranquille, je suis en danger. Bah ouais, nickel, y a pas de soucis hein. Oh là 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 là, ce jeu franchement il m'exaspère, c'est un truc de fou. Allez, tu l'as. Vite. Hop, on utilise ça. Putain, mais moi j'ai plus de vie comme un con. Et pourtant j'avais un temps d'avance et j'ai moins de vie que l'autre. Putain, ça me saoule ça. J'ai plus rien. Bon, on va y arriver quand même les gars, moi c'est moi qui vous le dis. On va y arriver. Tant ce que je vous le dis, hein, il n'y a pas besoin de speeder. Le plus dur c'est la vie. Hein. Il y a vraiment que ça qui fait chier dans tout le jeu. C'est la vie qui fait chier tout le temps, tout le temps. Ça vise toujours, toujours la bonbonne. Là, bien sûr, on voit pas s'il y a un zombie ou quoi que ce soit. Voilà, voilà, il y a eu un zombie, voilà. Mais vu que le jeu est tellement pourri, eh ben, forcément, derrière, bah, je me fais niquer parce que je vois pas qu'il y a un zombie. Voilà, non mais bon. Tu fais un jeu bien pourri, forcément, le jeu, il fait un carton, c'est obligé. Enfin, un jeu bien chiant, je veux dire, il fait forcément un carton. C'est obligé. Ouais, alors par contre, je suis dans la merde parce que j'ai plus rien. Et ouais, je suis vraiment dans la merde, les gars. Vraiment dans la merde. Et le gars est tellement lent là au niveau des cuts. Allez, casse-toi, casse-toi. Voilà. Est-ce que je suis... Putain, je suis rouge. Pareil, je suis rouge. Je sais même plus s'il y a un zombie ici. C'est bon, il n'y a pas de zombie. Est-ce que c'est ouvert? Faites que c'est ouvert. Non, c'est fermé. Ok. Et putain, moi j'ai pas de vie moi. Oh les gars, j'ai pas de vie. Je suis dans la merde. Je pense que je dois recommencer. Toi là c'est même pas le temps qui me presse là, c'est les zombies. Ah bah là ouais je suis dans la maison. Oh, je suis obligé d'utiliser ça, putain c'est... Putain je suis vraiment dans le... Hop. Alors le problème là c'est pas au niveau de ma vie. C'est que je vais me faire empoisonner tout à l'heure là. Et que j'ai rien du tout pour me soigner.
Et c'est là le problème. Ouais, j'ai pas de plantes, j'ai rien. Ah oui, attends, il y a ça. Oh, mais il n'y a pas de plantes vertes ici. Enfin, si, mais non. J'y pensais plus. Voilà, vaut mieux attendre comme ça, hein, franchement, je vous dis. Bon. C'est plus sécurisant d'attendre comme ça. Y a pas de souci, vous avez le temps de toute façon. Bon, faut pas non plus trop exagérer, mais normalement vous avez plutôt le temps. Alors, est-ce qu'on peut manger directement comme ça? Je sais plus. Non, je crois qu'on peut pas manger là, le truc bleu comme ça direct. Je crois qu'on peut pas manger. Alors, franchement, faites attention, il faut venir ici, hein. Obligatoire de venir ici. Vous n'avez pas le choix de faire autrement. Sinon, vous êtes dans la merde. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Sinon, vous êtes dans la merde. Si vous venez pas ici, vous êtes dans la merde. Attendez 2 secondes. Tu vois à quel point j'ai le temps. J'ai même le temps d'aller chercher un ballon. Bon. Alors. Quoi? C'est quoi ce délire? Oh! Oh les gars! Non, mais c'est quoi ça? Oh, mais c'est quoi ce délire, les gars, putain! Mais à la limite, tu me l'aurais foutu là, ton carnet, tu l'aurais foutu ici, j'aurais eu de la vie infinie! Mais là, tu me sers à rien, là! C'est quoi ça? Car, doc. Bah, vous savez pas la meilleure, c'est que là, c'est aléatoire. Putain, là c'est aléatoire, putain. Parce qu'à la base, moi je veux un magnum, tu vois. Seulement ton magnum, eh ben il est aléatoire, ce fils de pute là. Et ouais, ce fils de pute est aléatoire. Ça me casse les couilles. Vas-y, avance. C'est quoi ça? Ce fils de pute est aléatoire. Mais j'y crois pas, mais j'y crois pas. Je suis en danger, ça paraît normal. On prend le spray, voilà. Putain, les gars, on va jamais y arriver, les gars. Putain, on va jamais y arriver. Allez, bah oui, encore. Allez. Voilà, mais t'as qu'à me tuer, hein. Voilà, maintenant je suis en danger, c'est génial. Franchement, c'est le kiff total, ce jeu. Je crois que j'adore ça, franchement, j'adore ça. Je suis un peu sadomaso, hein, je sais, mais bon, c'est pas grave. Hein. Non, mais franchement. C'est lui qui meurt jamais. Voilà. Voilà, bien sûr, j'ai plus de vie. Voilà. Génial. Ce jeu est génial. Franchement, ouais. Moi, je lui donnerais un Oscar, moi, tellement qu'il est génial. Allez, bien sûr, on est à la fin, voilà. Donc, hop, on regarde. Voilà, donc je t'ai sûr. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Mais bon, tu vois, je vous fais ça là. Bon, au final, je vais pas y arriver. Donc bon, c'est complètement con. Mais bon, au moins que vous sachiez un peu comment on fait. Juste qu'il faut avoir le magnum, quoi. Ah, donc à la base c'est très simple ici, après une fois que t'as le magnum, ici c'est trop simple. Hein.
Tu arrives, t'es sûr d'y arriver ici. Or sinon c'est que t'as vraiment pas de chance. Mais là, sans le magnum, tu peux te foutre un gros doigt dans le cul, hein. Mais même, tu te fais un fist, tu vois. Tu te fais un putain de fist. Ça passe mieux que de réussir ça au couteau. Et là, je peux vous le dire. Voilà. Ah ouais, non mais... Là, poum, il faut un gros patate là, et ça pourrait pas la tuer du premier coup, non. Faut qu'on continue à la tuer. Surtout que le pire, il faut 6 balles de magnum. Donc vous imaginez bien qu'au couteau, il faut je sais pas combien de balles. Donc voilà, donc vous imaginez ça au couteau? Est-ce que vous imaginez une seule seconde ça au couteau? Juste une seconde. Pas plus, hein? Non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Allez là, réussi, c'est pas compliqué ce jeu, putain, merde. On va pas tous ces bugs de merde aussi là. Il mourrait plus vite aussi. L'autre qui est toujours pas mort. Bah ouais, c'est gratuit de toute façon de pas mourir. Hein? Je vais pas se faire chier quand même. Putain. Et cette vie là, qu'on sait rien du tout de où on en est à chaque fois, c'est chiant. Même pas ça en pourcentage, rien du tout. Ça c'est bien les vieux jeux, ils sont pas chiés, tu vois. Ils mettent 2-3 2-3 trucs et puis c'est bon quoi. 2-3 circonstances, hop, on a fini notre jeu. Allez, hop, on le vend. On l'a même pas joué encore une seule fois. Bon, mais on le vend, hein. Ça se trouve, il y a plein de bugs, il y a plein de bugs et tout, mais on s'en dégoûte. On va pas se faire chier quand même. Attends, oh, on n'est pas payé non plus pour qu'on fasse un jeu bien. Putain. Allez, voilà, comme ça j'ai pas le temps de l'écouter. Voilà, comme ça j'ai pas le temps de l'écouter. Ben oui, hein. J'ai vu un peu comme il cut trop vite. Oh, c'est un truc de fou. Je crois que là la vitesse elle est énorme. Oh là là, il cut vraiment trop vite. Hein. Il faut cutter moins vite. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les gars. Putain. On va y arriver. Merci. Là, je sens bien la partie.
dur ce jeu. Je sais même plus où j'en suis là. On va peut-être quand même prendre une vie. Voilà. C'est bon, j'ai réussi. Ouais, je peux vous dire que j'ai fait une partie bien bien quoi. Bon, on tue elle et puis on prend un truc spécial là. Voilà, comme ça. Ah, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Là les gars, je fais une bonne partie. Oh là là là. Vous avez vu tout ce qui me reste là? Putain, j'ai tellement fait une bonne partie. Il y a intérêt d'avoir le magnum, parce que si j'ai pas le magnum, je crois que là je pète un câble. Stressant ce jeu, c'est un truc. Oh mais c'est pas possible ce jeu là. Putain quoi, il se fout de ma gueule, il se fout de ma gueule. Oh mais voilà, c'est bon, j'y arrive bien et tout de suite, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et ben ça fait n'importe quoi, l'autre qui crève même pas. Lui qui fait n'importe quoi. Allez, c'est bon, non mais franchement ce jeu. Quoi qu'il se passe, de toute façon, il y aura toujours le bordel. Je vais te faire chier. Allez, voilà, mais non, toujours pas mort le mec. C'est limite, il a deux fois plus de vie que d'habitude. Bah ouais, c'est normal, voilà. Maintenant je me retrouve en faible et tout, tout ça. Pff, franchement ce jeu. Mais je crois qu'il commence vraiment à m'énerver. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut toujours qu'il arrive une connerie. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Pareil, dans Boom Beach, à chaque fois que je vais niquer le QG de l'autre, là, Merman, ou je sais pas quoi, et ben il reste du genre, je sais pas moi, 1% de vie à chaque fois à la fin. Voilà, à cause du temps. Ça, c'est l'histoire de ma vie aussi, ça aussi. C'est toujours comme ça, de toute façon, j'en ai marre, ça me saoule. C'est vraiment casse-couille, ça. Putain. Moi, c'est toujours, toujours comme ça, toujours en me faire chier. Il faut toujours qu'il m'arrive des trucs à la con. Alors que d'habitude, je sais pas, d'habitude, tu arrives super bien, et puis là, d'un coup, bah parce que, enfin, tu arrives super bien, tu arrives plutôt bien à des endroits, et tout ça parce que aux endroits où tu arrives pas, et ben d'un coup, tu arrives bien, et ben du coup, aux endroits où tu arrives bien d'habitude, et ben tu arrives plus. Voilà, et ça, c'est vraiment très chiant. Ce genre de truc là, ça me casse les couilles. Enfin bon, en tout cas, on peut dire que ce mode là, avec Wesker là. Franchement, on peut dire que c'est vraiment le plus dur. Wesker, putain. C'est le truc le plus dur. Autant dans Resident Evil 5, c'est plus facile, mais là, c'est le plus dur. Enfin, dans Resident Evil 4 aussi. Non, ouais, c'est dans Resident Evil. Enfin, je sais plus. Non, je crois que c'est dans Resident Evil 4 où c'est le plus simple. Ouais, dans Resident Evil 4. Autant dans Resident Evil 4, c'est super simple, mais alors dans Resident Evil... Enfin, dans celui-là, là, c'est une grosse merde, le mec. Il a toujours pas... Enfin, il a pas son virus. Donc, du coup, c'est une grosse merde. Allez, allez. Putain, on est chanceux là. C'est bon, on est toujours en jaune, les gars. Putain, je suis trop chanceux, c'est un truc de fou. On peut se dire quand même, je suis un peu chanceux, hein, parce que franchement. Oh, il y a intérêt qu'il y ait le magnum. J'espère qu'il y aura magnum, le magnum, parce que vu comme je suis chanceux là, putain. Ah, j'espère qu'il y aura magnum. Là, normalement, c'est ici là. Normalement, ici, hop. Non, c'est toujours pas là, putain. C'est toujours pas là, c'est toujours pas là.
Oh yeah, regardez un peu le zombie qui va je sais pas où là. Oh, mais je suis trop chanceux les gars. Voilà, oh, je suis en faible. Putain, là vous pouvez pas dire le contraire, je suis chanceux. De toute façon, dans un jeu, la plupart des jeux, de toute façon, c'est toujours ça, la chance, si t'as pas la chance, t'as le démon. Le pire, c'est qu'il rajoute aussi la chance avec l'arme et tout. Si t'as pas l'arme, bah, tu réussis pas, et si t'as l'arme, tu réussis. Mais bon, à chaque fois, faire 10 minutes de jeu pour réussir à choper l'arme, je suis désolé, mais bon, ça fait yesh, quoi. Hein ? On peut même pas savoir à l'avance si c'est le bon ou pas. J'aime pas si il est là. Par contre le mec, est-ce que je l'ai tué l'autre? Je crois pas, je crois qu'il m'en manque un. Ah non c'est bon, ok. Donc normalement là c'est là où il y a les grenouilles. Ah non c'est ici qu'il y a l'arme, ok. Oh parfait. Parfait, c'est ici qu'il y a l'arme. Viens ici toi. Espèce d'enculé. Allez viens là. Putain c'est chaud les gars. Franchement c'est chaud. Ah, par contre, j'aime pas quand c'est l'autre vue. Allez, allez, on va y arriver. Mais bug pas, tête de con. Merde. Bon. Putain, ce jeu alors. Autant Resident Evil 4, des fois je le trouvais dur en mercenaire, mais là, celui-là. Putain. De côté comme ça là ouais. C'est plus facile de les cuter. Non. Allez les gars on a tellement de vie là. Putain si on n'a pas le magnum je crois que je suis dégoûté. J'ai tellement de vie que s'il y a pas le magnum je crois que je suis dégoûté les gars. Putain on croise les doigts les gars. S'il vous plaît on croise les doigts. S'il vous plaît putain. Allez allez allez. Putain. S'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît. Oui les gars. Oh putain. Oh les gars franchement. Mais putain mais. Les gars j'ai pas de la chance là. S'il vous plaît putain mais. Franchement mais putain ça... Je sais pas quoi je sais pas. Oh putain les gars, what the fuck, mais vous imaginez la chance que j'ai? Mais là, mais j'ai envie de pleurer tellement que c'est magnifique, putain, c'est un truc de fou. Oh là 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 là, oh j'espère que je vais pas me louper les gars, parce que tu sais, des fois dans ma vie ça m'arrive, hein, t'as tout bien, tout beau, et puis là, bam, coup d'éclair dans ta gueule, tu fermes ta gueule. Eh, ça arrive des fois, mais là je l'ai eu ce magnum de ouf là. Allez, c'est parti, les gars, on est chaud, là, putain, on est chaud, je suis vraiment... Mais je suis content, mais sa mère, la chienne, quoi, je suis content. Ok, je suis en faible, il faut vraiment que je fasse gaffe au niveau de la vie. Ok, je suis comment? Ok, je suis en faible, j'utilise de la vie directe. Ok, c'est parti. Allez, les gars, on va y arriver. On va y arriver. Oh, je me suis même pas fait empoisonner. Mais c'est magnifique mon gars. Oh, oh là 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 là. Et franchement les gars, mais... Oh mais... Putain, félicitez-moi. Félicitez-moi. Je sais pas, mais dites-moi que je... Que je sais pas, que je suis chanceux comme c'est pas permis là. Là, mais j'ai eu de la chance les gars. Oh, mais j'ai jamais eu tant de chance de ma vie. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Je crois que j'ai jamais connu la chance en fait. Enfin, pas à ce point là en tout cas. Oh, oh mais les gars. Oh mais les gars, mais franchement. Putain. Oh là 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 là. Et moi je vous souhaite, mais je vous souhaite que ça. Mais un truc de fou. Oh là 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 là. Oh mais les gars, mais c'est un truc de fou. Vous imaginez un peu le truc? Là, mais si j'y arrive pas, mais je suis un gros teubé. Franchement, vous pouvez me traiter de tous les noms. Si là, j'y arrive pas, vous pouvez me traiter de tous les noms. Mais comme c'est pas permis. Ah oui, vous pouvez me traiter de gros connard,
de fils de pute, que j'aurais jamais dû venir au monde ou quoi que ce soit, parce que franchement, si j'y arrive pas, mais c'est que je suis vraiment un gros débile mental, mais c'est un truc de fou. Si j'y arrive pas, je suis un gros teubé, mais comme c'est pas permis, les gars, franchement, vous pouvez compter sur moi, je vais y arriver, les gars. Je vais pas vous décevoir, c'est obligé, je vais y arriver. Attendez, regardez ce que j'ai, franchement, si je gâche cette chance, franchement, les gars, je peux vous assurer que là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Vous pouvez me traiter tout le nom, de toute façon, si je gâche ça, vous pouvez me traiter tout le nom, il n'y a pas de souci. C'est tellement infaisable de perdre là que vous pouvez me traiter tous les noms, il n'y a pas de souci. Je vous autorise. Alors croisons, ça fait pas beaucoup de dégâts ça. Viens là toi. Hop là. C'est bon, je suis faible, ok. Putain les gars, c'est chaud là. Allez, c'est parti, on y va. Merde. Mais heureusement qu'on a le temps. Oh, heureusement qu'on a le temps, les gars. Heureusement. Oh là là, c'est un truc de fou. Regardez-moi comme je suis chanceux, mais putain. Et là, vous pouvez me traiter de chanceux, de connard tellement que vous êtes jaloux, tu vois. J'en suis sûr que vous êtes jaloux, là. Oh, putain, mais moi, je serais jaloux comme c'est pas permis, le mec, comme ça, là. Oh, mais je serais jaloux comme c'est pas permis. Le mec, il se dit, putain, espèce de chanceux, va, j'ai jamais été aussi chanceux et tout. Oh, mais là, c'est de la chance. Vous pouvez pas dire le contraire, là, c'est de la chance. C'est que de la chance, là. Vous pouvez pas dire le contraire, ça. C'est que de la chance. Allez, c'est parti. Putain, les gars, enfin, enfin. Là, je peux vous assurer la victoire, les gars. Après 2 heures de jeu, je peux vous assurer la victoire. Ça, c'est clair. Allez, les gars, on va réussir. On va battre ce boss de fin. C'est parti, les gars. Non, pas maintenant. Alors juste, voilà, on se prépare. Donc, je suis pas sûr parce que je parle pas anglais. Mais prenez pas le couteau maintenant. Attendez. Si, en fait. Attends. Bon, on va prendre le couteau maintenant. Et on va prendre le pistolet. Alors, hop, voilà. Donc là, on va prendre le magnum. Là, on y va. Normal. Là. Donc là, il y a la cinématique. Voilà. Voilà, vous voyez, on a 12 minutes pour battre le boss de fin. Alors, en 12 minutes, on va y arriver, les gars. C'est pas beaucoup, 12 minutes. Ouh, putain, c'est stressant, ce jeu. Voilà, donc du coup... tiens. Hop. Là, bam, il fout une patate. Ah, donc là, on prend le magnum. Juste avant, là, on prend le magnum. Parce que je crois que c'est un glitch, en fait, le fait de prendre le magnum, je crois que c'est un glitch. Je suis pas sûr, mais on sait jamais, des fois. Merde, non, ouais, j'ai déjà pris le magnum, je suis con. Voilà. Donc, faut surtout pas la rater, les gars. Voilà, surtout pas se faire prendre par elle, sinon vous avez le démon. Voilà les gars. Et là vous prenez le couteau. Prenez le couteau le plus vite possible. Voilà, vous prenez le couteau. Puis comme ça au moins. Enfin, ouais, normalement, voilà. Vous prenez le couteau. Parce qu'en fait, je suis même pas sûr. Enfin, je crois que c'est un glitch. Et que à la base, si tu prends le magnum, ça fonctionne pas. Enfin, je suis pas sûr. Mais prenez le couteau pour être sûr. Que ça au moins vous êtes sûr d'avoir la note A derrière. Et voilà les gars. Et voilà. On a réussi. Ouh. Oh les gars, c'était bien compliqué. Mais on a eu la note A. Voilà, et regardez les gars, regardez les gars, regardez ce message là, dès que vous avez ce message, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir.
Et voilà les gars, ça fait plaisir, sa mère, ça fait plaisir. Oh les gars, ça fait plaisir les gars. Putain. Oh les gars, ça fait plaisir sa mère. Bah vous savez quoi? On va se venger les gars. Les gars, on va se venger. On va se venger, c'est parti. Voilà. On va se venger. Regardez ça les gars. Regardez ça. Putain. Regardez-moi ça là. Hop, en première personne. Et bim! Et on se venge sa mère. On va se venger. Allez, je vous laisse à fond, comme ça, hop, on se venge. Bim! Hop là. Merde, merde, merde. Et voilà, on se venge les gars. On se venge de ces fils de pute. Hop là. Vous avez vu un peu? On va se venger les gars. On va tout niquer. Ouais, moi je m'en fous, je me venge direct. Voilà. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez. Ouais. En fait, ouais, je peux pas vraiment vous dire ce que vous retenez. Mais bon, s'inquiète pas. Donc, voilà. C'est super. Ouais, je peux pas vous dire grand chose ici maintenant. Merde. Donc, vous voyez un peu comme il est trop bien sûr. Putain. Il est magnifique cette arme là, putain. Imaginez dans le jeu direct et tout. Oh, magnifique. Vraiment magnifique. Putain, franchement, ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir, les gars. Mais franchement, bonne chance à vous. Bonne chance parce que vous allez en chier. C'est tellement chiant que vous allez en chier comme c'est pas permis. Allez, allez. Viens ici, toi. Ah, ça fait plaisir. Allez, bim, dans ta gueule. Oh, franchement, les gars. Il n'y a rien à dire, mais ça, c'est de l'arme, ça. Et on l'a même dans la campagne. Dans la campagne, on l'a, les gars. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Je crois qu'il n'y a rien qui pouvait me faire plus plaisir que ça. Oh, c'est un truc de fou comme ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Personne ici, hein? Ok. Ah d'accord, il y en avait deux. Putain. Mais... Ah ouais, en fait, l'autre, j'avais tué avant, ok. Ouh, putain. Ah ouais, non mais là je me venge direct. Bim. Même pas le temps de réagir le mec. Putain, c'est bon ça. Regardez ça un peu, on fait un carnage. En plus ils sont tellement lents et tout. Oh là là. Mais on se fait plaisir les gars. Vous imaginez un peu ça là, dans la campagne? Mais en moins de 5 heures tu le finis tranquille. Oh là 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 là. En plus avec la vie illimitée là, le glitch de la vie illimitée. Non, je fais vraiment, franchement, je fais vraiment plaisir. Ça, c'est horrible. Hop, on se calme. Allez, c'est parti. Putain, là, franchement, on se venge, hein, on se venge. Putain, on était qu'au couteau jusqu'ici, on a trimé, on a... Et bah ben là, on se venge. Franchement, je vous souhaite de vous venger comme ça, je vous souhaite vraiment. Parce que franchement, ça fait plaisir, c'est un truc de fou. Allez, viens à toi, tête de con. Hop. Ah, il vient là. Ah si. Je vais juste un peu avancer. Ok, c'est parti. Putain, regardez, vous avez vu tout ce qu'on a là? Putain. On n'a même pas encore utilisé une seule vie, quoi. Truc de fou. Allez. Putain, putain, truc de fou quoi, les gars. Regardez-moi ça, comment on se venge. Oh, ils prennent cher dans leur gueule. Oh là 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 là. Oh, franchement, les gars. Ils prennent cher là, franchement. Ah là, y a rien à dire là. Là, ils prennent cher sa mère. Mais je suis tellement content. Je peux même pas vous imaginer. Oh non, je me suis tué. Oh. Ah bon, on pourra pas se venger jusqu'au bout. Bon bah c'est pas grave. Oh là là les gars. Bon, c'est bien éclaté hein. Ah, y a rien à dire. Oh, on s'est bien marré. Enfin non, pas du tout en fait, laisse tomber, je dis de la merde. Enfin à part qu'on avait le canon à Yon là par contre, on s'est bien fait plaisir. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour faire justement L. Voilà, et puis après la fois d'après on fera L. Comme ça au moins les gens s'ils veulent... voir pour eux comment on fait, ben comme ça ils pourront voir, voilà, autant continuer jusqu'au bout, hein, ça serait un peu con de ne pas le faire.